Christian Zetiroy et Jacques Saint-Jacques. Alors dites-moi les gars, je vous regarde. Je crois que les joueurs du Canadien, là, se sont affrontés cette semaine dans une confrontation tout à fait amicale. Oui, en fait, ce qu'on a pu apprendre cette semaine, bon, c'était qui chez le Canadien patine le plus vite, frappe la rondelle le plus vite, qui boit une Molson le plus vite. Oui, oui, ouais. Ça l'a inspiré Richard qui m'a lancé un défi et puis avec ça, on est allé se mesurer sur la glace. Effectivement, et on doit parler évidemment d'une gigantesque compétition Montréal-Québec. Et ça se déroulait sous la surveillance d'une banlieue neutre et objective. Et on a des images, on regarde ça tout de suite. Confrontation! D'ici, confrontation! Sous la surveillance de Jacques Chevalier Longueuil et associés! Bonjour! La mise en jeu! Vous prêtes, mes amis? Oups! J'ai oublié la poche. On passe à d'autres choses. Jacques, faut-tu être assez swift? Maintenant, le coup de ma mère! Richard? Ça doit faire mieux, Saint-Jacques? Prochaine épreuve, Jacques? Ben oui. Si les coups sont permis, passons maintenant au Jacques! Est-ce qu'il n'y a pas de faire mieux que ça, Jacques? Monsieur l'arbitre, prochaine épreuve. Les comptes sont oranges! Messieurs, suivez cette rondette! Elle est pas là, Jacques, on a un problème ici. Cherche pas plus loin, Jacques, laisse ici, c'est de la magie. Passons maintenant à la prochaine étape, le patinage de Rocky-Nord. Messieurs, s'il vous plaît. Bravo, Richard! Tu remportes la première étape sur glace. Deuxième étape, allez vous mesurer dans la douche. Pauvre Zed, pourra-t-il conserver son titre?